salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme je vous l'avais promis, voilà, je vais essayer comme ça de postuler à cette bourse là. Ça, c'est la bourse de la République tchèque, comme je vous ai dit. Voilà, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà montré dans une vidéo sur ma chaîne YouTube où vous devez comme ça essayer comme ça de trouver sur Google une université. Et moi, j'ai essayé sur Google Université et j'ai trouvé la bourse technique d'Ostrava. Voilà, c'est en République tchèque. Donc, pour ceux qui veulent postuler à cette bourse-là, c'est très simple, cette bourse-là. Vous allez, par exemple, pour cette bourse-là, comme ça, vous allez, si vous voulez étudier en anglais ou bien en tchèque ou bien, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez ces applications qui sont là. Ça, c'est pour bachelor, masters et puis doctorat. Et puis ça, c'est lorsque vous avez comme ça fini de postuler, vous pouvez voir ici, ou bien vous pouvez aussi essayer de revenir lorsque vous n'avez pas encore fini de faire votre candidature. Maintenant ici, si vous allez ici, mes amis, préparateur de course, si je viens là, ici je dois d'abord me renseigner avant de pouvoir commencer. Mais dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que si vous faites la licence, le master ou le doctorat, regardez très bien les éléments qui sont là, les dates sont déjà là, et puis voici les conditions qui sont juste en dessous. Voilà, donc si vous allez ici, ici pour la faculté d'ingénierie, voilà, ingénierie civile, ici c'est, ça a débuté le 14e mois 2022 et ça va se terminer le 31e mois. Donc vous avez au moins quelque chose de aujourd'hui c'est le 26, donc vous avez au moins 5 jours, vous comprenez. Donc pour l'ingénierie, vous avez au moins 5 jours. Maintenant, vous pouvez changer si vous pensez que c'est trop tôt, vous pouvez changer. Ici, par exemple, si vous venez là, ici c'était quoi, le 1er-7e mois, le 1er juillet, et ça finit le 7-8e mois. Voilà, je crois, c'est ça, le 7-8e mois. Donc ici, ça finit, vous regardez très bien ici, ingénierie qui se trouve en anglais, ici par exemple, ça commence le 20-7e mois, donc aujourd'hui c'est le 26, ça veut dire que ça a déjà commencé. Et ça se termine le 30-11e mois. Donc ici, vous avez assez de temps. Mais malheureusement, ça poursuit du doctorat. Donc, vérifiez un peu les éléments où vous pensez que vous allez pouvoir postuler. Les éléments où vous pensez que vous avez la chance de pouvoir postuler. Essayez de voir. Et regardez ici aussi. Ce sont les conditions pour les admissions. Donc, si je viens par exemple ingénierie électrique et computer science. Si je viens là et que je clique là. Vous allez voir quelles sont les conditions qu'il me faut, voilà, quelles sont les conditions qu'il me faut pour pouvoir postuler à cette bourse là, comprenez, même si c'est un long check, voilà, vous pouvez voir ici. Mais dans la plus grande partie de ces éléments là, vous savez déjà que vous ne pouvez pas, ceux par exemple qui ne peuvent pas postuler en anglais ou bien postuler en tchèque actuellement, vous allez devoir faire quoi, l'année de langue avant de pouvoir postuler, vous comprenez. Maintenant, pour ceux qui veulent aller étudier de leurs propres moyens aussi, c'est possible. Vous pouvez venir là. Voilà, vous allez voir les montants. Vous avez vu que pour le bachelor, vous pouvez payer au moins 4000 euros par semestre. Voilà, ça, c'est ceux qui veulent étudier en anglais. Mais ceux qui veulent étudier en français, ça fait au moins 3500 euros. Et ici, si je viens là, je vais comme ça essayer ici de postuler pour la langue. Vous comprenez? Voilà, donc. Ici, ce que l'on va faire, puisque nous on peut pas, on n'a pas le certificat en langue tchèque et puis on n'a pas aussi le certificat en anglais, on va maintenant essayer de faire quoi, de postuler d'abord. Mais ceux qui ont le certificat en anglais, il n'y a pas de problème. Si vous avez un certificat en anglais, vous pouvez postuler à n'importe quelle faculté que vous voulez, quel que soit le niveau d'études que vous avez. Voilà. Maintenant, ceux par exemple comme ça qui n'ont pas le certificat en anglais et qui veulent étudier en tchèque, vous pouvez venir là et chercher maintenant à étudier en tchèque. Ici c'est l'e-application, c'est là que vous allez faire votre candidature. Donc si je clique là, vous allez voir que ça me ramène ici, vous voyez là, ça me ramène là. Donc dans les normes, je dois d'abord créer mon application avant de pouvoir commencer. Mais étant donné que nous on veut pas, on va pas suivre les éléments en anglais ou bien en tchèque pour le moins, on va d'abord faire le cours de langue. Donc le cours de langue, vous venez là, vous cliquez là. Dans les noms, ceux qui ont déjà les paramètres, ils peuvent insérer là, mais nous qui sommes nouveaux, on va d'abord venir s'inscrire là avant de pouvoir commencer. Voilà, donc vous suivez, on va s'inscrire et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler pour pouvoir aller faire les cours de langue chez eux.
Voilà, donc vous cliquez sur l'élément qui est là et vous rentrez le mail qui est là. Donc ici, on nous dit comme ça, je vais mettre en français, comme ça, tout le monde va se servir. Ok, entrez une adresse email valide à laquelle vous pourrez accéder pour les prochains mois. L'université utilisera cette adresse pour communiquer pendant la période d'admission. Le mot de passe est sensible dans la case et doit comporter au moins 6 caractères. Méfiez-vous des paramètres de vos claviers. Ok. Donc ici, on va mettre le mail. Je vais mettre mon email. Après cela, je vais mettre mon mot de passe que moi-même je veux. Donc ici, je mets mon email. Donc, je vais mettre mon email ici. Ça, c'est pour faire l'inscription avant de pouvoir utiliser le service. Ok, le mot de passe que je vais choisir, ça c'est mon mot de passe. Ok, le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Donc je vais essayer ce mot de passe là pour voir. Ok, maintenant je confirme ce mot de passe. Ok, arrivé là, j'accepte que, ok, et je m'enregistre. Ok, donc si vous voyez bien, information d'inscription acceptée, un message avec un lien vous est envoyé sur votre compte. Voilà, donc ici, je dois faire quoi? Je dois aller sur mon compte pour aller voir un peu le message que j'ai reçu. Et je vois qu'il y a un message qui est là. Donc directement, je peux venir sur ce message-là, ou bien vous venez là. Hello, your application for registration has been processed. Click the link here. Donc je peux venir cliquer là, voilà, et je mets le tout nom sur le site. Donc je clique là et ça me renvoie sur le site. Ainsi, je pourrais maintenant faire quoi? Continuer. Vous voyez, registration successful. Maintenant, je vais continuer en faisant quoi? En cliquant sur login pour pouvoir entrer mes éléments et puis mon mot de passe. Donc, on va aller rapidement et comme ça, on va faire ça ensemble pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Ok, vérifions voir ce qu'on trouve. Ok, donc j'ai fait un save. At least. Donc, ici, je vais essayer de traduire comme ça. Ici, c'est en anglais. Je vais essayer de traduire en français. Comme ça, on sera situé ensemble. Voilà, par rapport à ce qu'ils disent. Donc, on dit au moins une demande d'étude doit être dans l'état accepté pour pouvoir postuler à un cours préparatoire. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, une fois que vous finissez maintenant, vous allez revenir là. Voilà, vous allez voir ici. Voilà, et vous allez maintenant voir les éléments dont on vous demande, les éléments qu'on vous demande pour pouvoir, ou bien vous lisez d'abord les éléments qui sont là. Et puis maintenant, je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous allez maintenant rentrer en contact avec ces universités-là pour pouvoir postuler pour aller faire le cours du langue. Voilà, donc les gars, c'était moi, Samos Pita, tout à l'heure pour une seconde vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Ok, à plus les gars.